La sonnerie, monsieur Kubek. Oui, oui, j'ai entendu. Je dois monter ? Elle ne veut pas que vous montiez, elle veut que je monte. Et elle se fiche que j'ai du travail ou pas, ça. Oh non, mais c'est pourquoi ça continue ? C'est sa femme. Elle ne va pas mieux ? Elle ne marche toujours pas ? Elle dit que non, mais il ne la croit pas. Il pense qu'elle se paie sa tête. C'est peut-être ce qu'elle fait, d'ailleurs. Un drap. Qu'est-ce que tu veux? J'ai du monde au magasin. Il est 18h30. Tu dois fermer. Je dois jeter les clients dehors. Tu veux que je leur dise je vais fermer, alors dégagez. C'est le meilleur moyen de perdre toute notre clientèle. Alors qu'est-ce que tu veux? J'aimerais une orange pressée dans un grand verre. Une orange pressée dans un grand verre. La cuisine est là, juste à côté. Tu y vas parfois, alors pourquoi pas ce soir? Parce que mes jambes n'ont pas envie de faire d'efforts. Monsieur Kubek? Oui, que se passe-t-il? C'est pour la caisse. Bonsoir, madame Kubek. Bon, ma femme voudrait une orange pressée dans un grand verre. Vous vous en occupez? Oui, bien sûr. Bon, à tout à l'heure. Je reviens lundi, ce sera prêt? Oui, sans problème. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, merci. Et dis ce qu'ils font. Oui, merci. Voilà. Je peux faire autre chose? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Je demande seulement si vous désirez autre chose. Oui, dis à mon mari que je veux qu'il monte. Bien, je vais le lui dire. Et c'est inutile d'avoir cet air crispé avec moi. Alors, vous rentrez chez vous? Oui, j'emmène Inge à la maison. Et après, comment va-t-elle rentrer? Surtout pas par le parc, hein? Oh non, il est plus sûr du tout. Mon frère va la raccompagner. Ah, hein. Bonsoir, monsieur Kubek. À demain. Bonsoir, monsieur Kubek. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que ma photo est prête? Oui, je l'ai encadrée. Vous voulez l'emporter tout de suite? Eh bien, écoutez, entrez. Oui, 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 je veux bien. Pardon. Est-ce que ça va aller? Ah oui, très bien. C'est votre femme? Oui, c'est ma femme. Enfin, comme elle était autrefois. Cette photo a plus de 20 ans. Oui, le temps passe vite, n'est-ce pas? Ça va certainement lui plaire. Vous croyez? C'est possible, mais j'en doute. En tout cas, ce sera une grande surprise. Vous pouvez me l'emballer? Bonsoir, maman. Bonsoir, Inge. Bonsoir, madame Wagner. J'ai ramené Inge à la maison parce que Ulrich a promis de la reconduire chez elle. À pied, c'est trop dangereux. Tu as raison, le parc n'est plus très sûr. Mais Ulrich n'est pas encore là. Entrez. Inge, promets-moi d'attendre qu'il revienne. D'accord. Il a appelé pour dire qu'il rentrerait tard? Non, pas du tout. Bon, alors il va pas tarder. Mm-hmm. Je dois aller à la piscine. Mais tu peux t'asseoir et écouter de la musique. Ah oui, je veux bien.
Kubek, salut. Hein? Ah, bonsoir. Bonsoir. Un rouge. Et pour moi, ce sera une bière. Ah. Alors, comment vont les affaires? Tu serais très étonné que je ne me plaigne pas. J'avoue que ça m'étonnerait. Alors je vais me plaindre, comme ça tu seras content. Ah, tu as fait des achats? Oui. J'ai fait des achats. De plus de 20 ans d'âge. C'est une photo de ma femme avec son visage d'autrefois. Je l'ai fait encadrer. Je vais le lui offrir pour qu'elle se souvienne de ce qu'elle était. Ça ne va pas mieux. Je ne sais quoi dire. Elle joue les malades pour m'énerver. Et crois-moi, elle y réussit. Je me demande ce que fait Ulrich. Il devrait déjà être là. Je crois que je vais partir. Sinon, mes parents vont commencer à s'inquiéter. Oui, je vais les appeler. Oh oui, je veux bien. Vous pouvez dire à ma mère que je viens de partir. Surtout, ne traverse pas le parc. Il y a un sale type qui importune les femmes. Alors, fais le détour. C'est promis. Au revoir. Est-ce que je t'offre une autre bière? Non, prends un verre de vin. Ça va te détendre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me trouves tellement nerveux que j'ai besoin de ça pour me détendre? Je crois que c'est toi qui as raison. Si tu avais une femme chez toi aussi désagréable que la mienne... Ah oui, je préfère ne pas y penser. C'est dur à digérer, tu sais. Je fais tout pour l'aider. C'est pas une vie, c'est... Mais c'est Inge. Qu'est-ce qu'elle fait encore dehors à cette heure-ci? C'est une de mes employées. L'addition. Bon, tu paies pour moi. Mais pourquoi tu es si pressé tout d'un coup? Je vais vous régler. Il est parti sans emporter son tableau. Vous le mettez de côté. Mm-hmm. C'est pour vous. C'est moi. Inge est partie? Oui, elle est partie. Elle n'a pas voulu attendre. Pourquoi est-ce que tu rentres si tard? J'avais une conférence. Elle est partie depuis longtemps? Une demi-heure.
Alors, tu as ramené Inge chez elle? Non, je viens juste d'arriver. Oui, d'accord, je sais. Je suis un peu en retard. Elle n'a pas voulu attendre. Elle est partie à pied. Allô, oui? Madame Wagner, c'est Madame Zanders. Est-ce que Inge est chez vous? Mais elle n'est pas encore rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Inge n'est pas encore rentrée. Viens, accompagne-moi au parc. Vous avez oublié votre paquet, monsieur. Ah ben oui, c'est vrai, oui, je l'avais oublié. Mais vous êtes bien revenu pour ça, non? Pour ça, non, non. Oui, si, oui. Oui, je voudrais boire quelque chose. J'apporte votre paquet. Oui, garçon, donnez-moi un schnapps, là. Vous voulez un autre? Comment vous dites? Vous voulez un autre schnapps, monsieur? Non, merci. Non, je vais vous régler. Oui, tout de suite, monsieur. Il y a un chien qui aboie dans le coin. Viens. Tu as vu l'heure? Qu'est-ce que tu faisais? Où étais-tu? C'est quoi ce paquet? Ah oui, le paquet. Oui, c'est un cadeau pour toi. Il est possible que tu ne t'en souviennes plus, mais c'est une photo de toi il y a plus de 20 ans. Je voulais te rafraîchir la mémoire. C'est vous qui avez découvert le corps? C'était une amie à vous? Oui.
On travaillait ensemble. On savait que le parc n'était plus très sûr. Elle avait peur de le traverser. Quand sa mère a appelé pour dire qu'elle n'était pas rentrée, on est venu ici pour la chercher. Comment est-ce qu'elle a été tuée ? Elle a été étranglée. Est-ce que on l'a violée ? À première vue, je dirais non. Sa robe est déchirée à la hauteur du buste, mais il semblerait que l'agresseur ait été dérangé. Vous nous avez parlé d'un chien ? Oui. Pendant qu'on l'a cherché dans le parc, on a entendu un chien qui aboyait. On s'est dit que s'il y avait un chien dans le coin, il devait être avec son maître. Et on est arrivé là. Il était assis, tout près du corps, tout seul. Il aboyait et quand on est arrivé, il s'est enfui. Oui, et personne n'a appelé ce chien. Non. Enfin, on n'a rien entendu. Ce chien avait l'air de quoi ? Vous pouvez le décrire ? Oui. Oui, je l'ai bien regardé. Stéphane, excuse-moi. Oui. Merci. On vient de trouver ça. C'est un baladeur. Vous l'avez trouvé où ? Il était à 10 mètres du corps, de ce côté. Rien à te reprocher. Il a raison, tu n'as rien fait de mal. La seule coupable, c'est elle, tu sais. Je lui ai dit plusieurs fois de ne pas partir et d'attendre Ulrich. Maman, je savais comment elle était. Elle ne réfléchissait pas. Elle a toujours agi de cette façon, sans réfléchir. C'est pour ça qu'elle était mon amie. Elle disait toujours... Je suis heureuse de t'avoir pour amie. Seulement ce soir, je n'étais pas là. C'est vraiment écœurant de ta part d'avoir fait agrandir cette photo et de l'avoir fait encadrer. Pourquoi ? Je croyais que ça te ferait plaisir. Tu sais, en général, on aime bien se revoir à la fleur de l'âge. Hein, pas toi ? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? J'ai une drôle d'impression. De quoi veux-tu parler ? Tu as envie d'être méchant et tu n'oses pas te laisser aller. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne descends pas ? Bon. Les filles devraient déjà être là. Oui, elles peuvent bien attendre quelques minutes. Donne-moi ça. Ah. Je verserai mon café moi-même. Tes mains tremblent. Ouais. Et alors, tu ne vas pas ouvrir ? Va ouvrir. Fais entrer les filles. Monsieur Kubek, Inge... Inge a été assassinée cette nuit. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Inge Sanders est morte. Elle a été tuée dans le parc hier au soir.
quelqu'un là. On l'a étranglé, monsieur Koubek. Est-ce que je peux prendre un jour de congé? Oui. Oui, c'est bien. Vous êtes sûr d'avoir entendu? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de dire, monsieur? Ah oui, j'ai bien compris ce que vous venez de dire. Vous avez dit que Inge Zanders a été assassinée. Vous comprenez que je n'ai pas envie de travailler? Oui, bien sûr, je comprends. Oui, bien sûr. Il est comme terrassé par la foudre. Pourquoi est-ce que tu es remonté? C'est parce que... il va falloir que je passe toute la journée au magasin. Je ne pourrai pas t'aider. Les filles ne sont pas là? Inge Zanders est morte. Elle a été tuée hier au soir dans le parc. Et... Monica prend sa journée. Ça alors? Alors, elle est tuée dans le parc. Inge Zanders. Dis à Monica de monter me voir. C'est-à-dire qu'elle est déjà repartie. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle n'a rien raconté. Tu n'as posé aucune question? Non. Une bien jolie fille, c'est Inge. Elles sont jeunes, sont toujours jolies. Je l'étais aussi. Comment tu l'as trouvée, la petite Zanders? Mais ça veut dire quoi, cette question? Je veux dire, c'était une jolie fille, elle était bien faite. J'ai remarqué la façon dont tu l'as regardée en douce. C'est pas tout si tu allais travailler. On a déjà dû vous le dire. Inge a été assassinée hier soir dans le parc. Oui, je sais. Je viens de l'apprendre. Que puis-je faire pour vous? En fait, je ne suis venue que pour ça. Quand je songe, je l'ai vue hier. Elle m'a servi comme d'habitude. Il lui restait que quelques heures à vivre. J'ai reçu un choc. Mais... Et alors? Bonjour, ici Madame Koubek. Qui est à l'appareil? Madame Wagner. Est-ce que vous êtes au courant pour Inge? Oui, je viens de l'apprendre. Inge, cette pauvre petite. Elle a été tuée quand? Qui a pu faire ça? Monica est passée vous voir? Oui, elle est venue. Elle a dû raconter à mon mari ce qui s'était passé. Mais vous savez, il ne me dit jamais rien. Est-ce que Monica est là? Non, elle devait passer au commissariat avec son frère. Ah oui. Et est-ce que... Je rappellerai plus tard, merci.
Il était comme ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, ma sœur a raison, c'est bien ça. Ah, un golden retriever. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Je connais un chien comme ça. Oui, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, mais... Je travaille dans une laverie. Et en face du magasin, il y a un atelier d'encadrement. Et les gens de l'atelier ont un chien, le même que celui-là. Tu vas voir? Oui. Bonjour. 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 Police criminelle. Votre frère est là? Oui. Que se passe-t-il? La police criminelle? Bonjour. Bonjour. Vous avez un chien? Oui, nous avons un chien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut voir ce chien? Bien sûr que vous pouvez. Où est Anya? Dans la cour, je pense. Pourquoi est-ce que vous voulez le voir? Nous avons besoin d'identifier ce chien. Il a donc fait quelque chose. Va chercher Anya, s'il te plaît. Oui. Hier soir, un meurtre a été commis pas très loin dans le parc. Une jeune fille a été assassinée. Et sur le lieu du crime, on a vu un chien. Anya, Anya, viens, viens. Dépêche-toi, viens. Vous la connaissiez peut-être. Elle travaillait juste en face, à la laverie. Vous devez me connaître aussi. Bien sûr que je vous connais, je vous vois souvent. Et l'autre fille aussi. C'était une très jolie fille. Un meurtre? Oui. Voilà mon chien, c'est Anya. Oui, c'est celui-là. Un chien comme Anya a été vu dans le parc hier soir, près du cadavre d'une jeune fille qu'on connaît. Elle travaillait chez Monsieur Koubek. Oui. Elle a été assassinée hier soir. De quelle façon? Elle a été étranglée. Une agression sexuelle? Elle a été violée? Où était votre chien hier soir à 21h? Mon Dieu, quelle question. Anya est très fugueuse. C'est à lui qu'il faut demander où il était. Oui, je sais, ce n'est pas facile de le savoir. Alors, mon petit Anya, si tu pouvais parler, je suis sûr que tu aurais des choses à me raconter. Ce serait bien. Il est à vous? C'est le mien. Vous l'avez depuis quand? 3 ans. Est-ce que l'un de vous deux est sorti hier soir avec le chien? Non. Vous non plus? Nous ne sommes sortis ni l'un ni l'autre. Ne répondez pas à la place de votre frère, s'il vous plaît. Je vous repose la question. C'est valable pour vous aussi? Oui, c'est valable pour moi aussi. Alors, où étiez-vous hier soir à 21h? Dans l'atelier. Le magasin était fermé, mais pas l'atelier. Nous avons beaucoup de travail. Vous étiez seul, il n'y a donc personne qui puisse confirmer que vous étiez là tous les deux. Nous n'aimons pas être dérangés. C'était bien ce chien-là. Je pourrais le jurer. Nous allons éclaircir cette affaire. Dites-moi, c'est bien la laverie où vous travaillez, là-bas? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, nous sommes de la police criminelle. Oui, oui, vous voulez sans doute me parler de la petite Inge Zanders qui a été assassinée hier soir. Oui, nous sommes là pour ça. Et aujourd'hui, tout va de travers. Ce crime, l'autre qui n'est pas là, les gens qui viennent au magasin ne parlent d'ailleurs que de ce crime. Et que voulez-vous? Je vais vous dire quoi? Je n'ai rien à dire. C'était une gentille fille, comme elles le sont toutes nos jours. Elle était bien faite. Et croyez-moi, elle le savait. C'est pas étonnant que quelqu'un se soit senti autorisé à se servir. Madame, mais qu'est-ce que tu fais ici?
Excusez-moi, c'est ma femme. C'est... Bonjour, nous sommes de la police criminelle. Nous enquêtons sur le meurtre de Inge Sanders. Oui, je sais, j'ai entendu parler de tout ça. J'ai téléphoné à la mère de la petite Monica ce matin. Vous êtes là pour elle ? Est-ce que la journée d'hier a été une journée normale ? Oui, tout à fait normale. En ce qui concerne la petite Inge Sanders, quelque chose de particulier ? Non, rien de particulier. Je veux dire, est-ce qu'elle avait un rendez-vous quelconque ? Est-ce qu'elle a téléphoné ? Mon mari n'autorise pas les communications personnelles au magasin. Oui, mais elle aurait très bien pu appeler sans que vous le sachiez. Mon mari s'en serait aperçu. Et vous avez fermé de bonne heure ? Nous avons fermé, oui, un peu plus tard que d'habitude. Mais ça ne regarde personne. Oui, peut-être, 10 minutes plus tard. Ces demoiselles sont rentrées chez elles. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je ne peux pas vous aider. C'est parfait. Excusez-nous pour le dérangement. Bonne journée. Ils sont vraiment très gentils. Ils ne t'ont pas demandé où tu étais hier soir, à 21h précise. Lorsque tu es rentré, il était exactement 21h20. Je suis sûre de l'heure. J'avais le regard sur la pendule. Oh, et tu avais une drôle d'attitude. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Tu m'as jeté la photo sur le lit comme un chien. Et tu as disparu dans la cuisine. Tu as cru que je ne verrais rien. Aide-moi à remonter. Tu aimais bien regarder la petite Sanders. Tu n'as rien à voir là-dedans. Mais tu es folle. Je ne suis pas un assassin. Je pourrais appeler la police si je voulais. Et leur suggérer de te demander où tu étais hier soir entre 20h et 21h20. Laisse ça. Je t'interdis de téléphoner. Tu m'interdis de téléphoner. Donne. Mais donne-moi ça. Tu as du travail, je crois. Hier soir, j'étais là où je suis tous les soirs. J'ai bu une bière au café. Vraiment? Alors pourquoi ne pas le dire à la police? Voilà. Les deux frères vivent à Munich depuis plusieurs années. Excellente réputation, casier judiciaire vierge. En ce qui concerne le chien, j'ai la déposition des voisins. Ce chien se promène souvent seul, mais il connaît le secteur. Et il rentre toujours chez lui. Mais ça vient d'arriver. J'ai reçu le baladeur. On n'a relevé aucune empreinte. En tout cas, rien n'a exploité. Ces trucs se vendent par milliers. Oui, c'est vrai. Je vous remercie. C'est bon. Autre chose ? Non, non, merci. D'accord. Tout ce que nous savons, c'est que ce baladeur n'appartient pas à la victime. Mmh. Sa mère a dit qu'elle n'en avait pas, et son ami a dit la même chose. Il n'y a que ça.
On entend toujours cette valse lente. Rien d'autre. Oui, bureau de Derrick. Oui, un petit instant. Monica Wagner. Merci. Excusez-moi, je voulais seulement savoir si vous aviez quelque chose de nouveau. Non, je n'ai malheureusement rien de nouveau. Et à propos du chien, maintenant que nous savons à qui il appartient. Oui, mais on nous a dit qu'il errait très souvent. Mais ce chien connaît l'assassin, j'en suis certaine. Oui, je le crois aussi, malheureusement. Il ne peut rien dire. Écoutez, je vais vous faire entendre quelque chose. Vous me direz si cette musique vous rappelle un souvenir quelconque. Qu'est-ce que c'est ? Cette cassette était dans le baladeur. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, ça ne me dit rien. Après tout, c'est peut-être sans importance. Si vous avez du nouveau, appelez-moi. Faites-le, s'il vous plaît. Je veux qu'on découvre qui l'a tué. C'est entendu, je vous ferai signe. Arthur, venez. Pourquoi tu dis ça? Je suis là tous les soirs. Oui. Moi, je suis venu pour te demander quelque chose. Dis-moi, est-ce que la police t'a interrogé? Oui, ils sont venus me voir au magasin. Tu veux parler des Inge Zanders? De quoi veux-tu que je parle? On ne parle que de ça dans le quartier. Est-ce que tu leur as dit que nous, enfin, qu'hier soir, nous étions assis là, à cette table, et qu'on doit être les derniers à l'avoir vue vivante? En dehors de l'assassin, bien sûr. C'était lui le dernier. Écoute, j'ai parlé à la police. Je leur ai dit qu'on avait vu la jeune fille quand elle est passée là devant et que tu t'étais levé en vitesse pour essayer de la rattraper. Je devais leur dire. Ça ne t'ennuie pas trop, hein, que je leur ai dit ça? Et tu as raconté tout ça à la police? Il y a une heure. Ah, te voilà enfin, toi. Bonsoir, monsieur Kubek. Où étiez-vous hier soir à 21h? Il était ici. Laissez répondre votre mari. Ton ami Hertel a fait une déposition à la police. Oui, c'est exact. Monsieur Hertel nous a dit qu'hier soir, il était avec vous dans le café où vous allez chaque soir. Inge Zander s'est passé. Et vous êtes parti comme une flèche pour tenter de la rattraper. Pour rentrer chez nous. Il était ici. Mais il s'est souvenu qu'il avait oublié un cadeau pour moi au café. Il y est retourné. Cette photo là-bas. Il l'a fait encadrer. C'est un merveilleux geste d'amour. Mais... Dans ce cas, monsieur Kubek, répétez, je suis rentré chez moi directement en sortant du café dans lequel je me trouvais avec monsieur Hertel. Oui, oui. Dis-le à haute voix. Tu n'as pas à me dire sur quel ton est-ce que je dois parler. Je suis rentré à la maison immédiatement. Mon mari n'a rien à voir dans le meurtre d'Inge Zanders. Rien. Rien du tout. Bizarre comme situation, non? Ce couple est pour le moins étrange, c'est vrai. On va faire un tour à l'atelier?
Entrez, messieurs. On est derrière dans l'atelier. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous en avons déjà parlé. Je suis sûre que le chien connaît l'assassin. Je suis venue leur demander qu'ils me prêtent leur chien. Qu'est-ce que vous ferez avec ce chien? Elle veut aller dans le parc. Je lui ai dit que ça ne servirait à rien. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, vous ne ferez rien. En tout cas, vous n'irez pas dans le parc. Je dois le faire pour Inge. Vous ne devez rien à Inge. Arrêtez vos sottises. Si vous voulez mourir, alors allez-y. Je saurai au moins qui est l'assassin. Ensuite, vous partirez en courant? Non, non, ce serait beaucoup trop facile. Oui, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Remets le chien dans la cour. Mademoiselle Wagner, ça suffit. Arrêtez de discuter. Rentrez chez vous et restez-y. Bonne nuit. Vous êtes venue en voiture? Non, je suis venue à pied. Je vais vous reconduire. Merci, c'est inutile. Que pensez-vous de cette jeune fille? Il est sûrement aussi étonné que moi. Retourner dans le parc cette nuit, c'est de la folie. Surtout avec le meurtrier en liberté. Vous vivez tous les deux dans cette maison? Oui, au premier étage. Vous avez de la chance. Vous n'avez pas besoin de traverser le parc pour rentrer chez vous. Non. Ainsi, tu as suivi cette fille? Je l'ai suivi. Tu as dit toi-même que je n'avais rien à voir. Oui. Tu ne risqueras rien tant que je dirai que tu étais là. À l'heure où cette fille s'est fait tuer. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Ces deux types ne me plaisent pas du tout. C'est vrai, l'un parle trop et l'autre pas assez. Anya, viens ici, vite, dépêche-toi. Viens, bon chien. Laisse, je vais terminer.
Monsieur Kubek? Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez ce qui s'y est passé? Vous vous promenez en pleine nuit à l'endroit même où Inge s'est fait tuer? Je peux vous poser la même question? Qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit? Moi? Mais... Je ne peux pas, je ne sais plus quoi faire, ma femme m'en fout. Téléphonez à la police. Reprenez, je vous écoute. Ainsi, vous avez suivi Inge Sanders. Pouvez-vous me dire pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me demandais ce qu'elle voulait faire. Pourquoi est-ce qu'elle voulait traverser le parc? Oui, c'est vrai, j'avoue que je l'ai suivie. Je me suis dit, si elle cherche une aventure, pourquoi pas moi? Alors je suis rentré dans le parc et je l'ai cherchée pendant un moment. J'ai pris un chemin, puis un autre, et enfin, je l'ai retrouvée. Elle était là, allongée sur le sol. Elle était morte. Elle était morte. Oui. J'ai pris mes jambes à mon cou parce que j'avais peur. Est-ce que tu le crois? Oui. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait diffuser cette musique à la radio? Peut-être qu'on réussirait à... Oui, je sais, c'est inhabituel, mais si on la diffusait plusieurs fois par jour, tu penses que ça pourrait marcher? C'est possible. Comme chaque jour, nous allons diffuser vos dédicaces. Mais cette fois, notre auditeur n'est autre que la police criminelle. Il s'agit d'une valse lente qui a un rapport avec un meurtre. Écoutez ce morceau en essayant d'être très attentif. Où est le docteur Dorner? Est à son bureau. Merci. Docteur Dorner? Oui, entrez. Vous devriez écouter la radio. Vous voyez bien que je travaille. La police criminelle fait diffuser notre valse lente. Pourquoi la police criminelle? Nous diffusons cette valse lente à la demande de la police criminelle. Ce morceau de musique était sur une cassette dans un baladeur que l'on a retrouvé à côté du cadavre d'une jeune fille. Toutes les personnes ayant des renseignements à propos de cette musique sont priées de les transmettre à la police criminelle. Notre musique. À côté du cadavre d'une jeune fille, la police veut des renseignements à propos de cette musique. Téléphonez à la police. Vous voulez voir le professeur Rustknecht? Oui, c'est exact. Cette personne va vous conduire auprès du professeur. Bonjour. Bonjour. Inspecteur Derrick? Oui, et voici l'inspecteur Klein. Bonjour. Je suis Régine Dorner, l'assistante du professeur. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Merci. Je vous en prie. Merci. Dites-moi, c'est un service privé ici? Oui, mais nous en avons ouvert un au public.
La clinique est accessible à tous. Vous imaginez combien j'ai été surpris. Par l'émission de radio. Oui. Et je vais vous montrer pourquoi. Docteur, s'il vous plaît. Cet homme est un criminel. C'est un récidiviste. Tel que vous le voyez, il a l'air inoffensif. J'enregistre toujours mes consultations. Ainsi, ça me permet de contrôler ce que je dis ou ce que je fais, et ce que le malade dit ou fait. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? La dernière fois, vous m'avez parlé de rêve. Voulez-vous que nous parlions tous les deux de vos rêves? On voit clairement que cet homme entre dans une phase qu'il ne contrôle plus. On sent une montée d'agressivité constante. D'après mon expérience, il se préparait à commettre un acte de violence. Il devenait très dangereux. Madame Dorner est entrée. Regardez la réaction du malade. J'étais très étonné. Je voulais demander à Madame Dorner d'appeler un infirmier. Mais le malade s'est soudain détendu. Je le regardais et j'ai réalisé qu'il réagissait à la musique. Une musique à la radio. Il était influencé par la musique. Elle avait une forte influence sur lui. Alors je lui ai demandé... Vous connaissez cette musique? Vous voyez, il ne répond pas. Son regard est de moins en moins agressif. Régine, approchez-vous de lui. Là, regardez bien. Elle a surmonté sa peur. Cet homme avait tué plusieurs femmes. Ils se sont trouvés face à face. Une thérapie avec musique. Cette expérience, cette aventure m'a donné l'idée d'utiliser la musique, cette musique dans mes thérapies. Vous vous dites, pourquoi cette musique? Cette valse lente n'a certes aucun pouvoir exceptionnel. Seulement, elle est harmonieuse, elle engendre une profonde quiétude. La liste des patients pour lesquels j'ai utilisé cette musique, s'il vous plaît. Merci. Bader? Bader. Oui, ils sont deux frères. L'un s'occupe de l'autre, qui est très malade. Il souffre de pensées obsessionnelles.
qu'elle a crié. Pourquoi? Je déteste que l'on...